Salut, je suis Samy de Faouzi Academy. Dans cette vidéo, je vais parler comment créer une présentation Microsoft PowerPoint en 2 minutes. Ne paniquez pas. Lorsque votre patron vous demande tout d'un coup de faire une présentation immédiatement pour la réunion aura lieu après 30 minutes, afin de commencer rapidement, nous ne disposons pas du temps. Notez le contenu de la présentation, le nouveau fichier dans Microsoft Word, ajoutez des styles pour le contenu, donnez du style H1 à ce que vous considérez titre de la diapositive, donnez du style H2 au premier niveau de la glissière bullet point, donnez du style H3 au deuxième niveau de la glissière bullet point, et ainsi de suite. Point de puissance de Microsoft. Théoriquement, accepte jusqu'à 7 niveaux de la glissière bullet point, mais bonne présentation ne devrait pas avoir plus de deuxième niveau de la glissière bullet point. Il est tout simple fichier texte mot ayant des styles H1, H2, H3. Enregistrez le fichier et fermez-le, puis cliquez sur le lien ci-dessous dans la description de la vidéo pour en savoir plus sur style de base dans Word. Ouvrir point de puissance et de créer un nouveau fichier de présentation vierge PowerPoint dans l'onglet Accueil, dans le groupe Diapositive, cliquez sur la petite flèche vers le bas. À côté de Nouvelle diapositive, cliquez sur Diapositive à partir Outline jusqu'au bout, insérez Aperçu Watch You jusqu'à Recherchez et double-cliquez sur le fichier qui contient les grandes lignes, ce que vous voulez, l'insérer dans votre présentation, surprise, croire ou pas. Vous obtenez la présentation que vous voulez, tout le contenu à organiser, dans une autre diapositive automatiquement, cliquez sur le lien ci-dessous, dans la description de la vidéo. Pour en savoir plus sur insérer le texte de contour d'un autre programme dans votre présentation PowerPoint. Rappelez-vous, tout sache un style de titre dans le mot fichier texte est maintenant le titre de la diapositive séparée, tous rubrique l'âge de style est maintenant premier niveau de diapositive bullet point. Tous rubrique H3 style est maintenant le deuxième niveau de la glissière bullet point. Maintenant, vous pouvez appliquer un thème à votre présentation, sélectionnez l'onglet conception sur le ruban, puis recherchez le groupe thème, chaque image représente un thème, sélectionnez le thème désiré, en sélectionnant un thème le thème sera appliqué à toute la présentation. Cliquez sur le lien ci-dessous, dans la description de la vidéo, pour en savoir plus sur « Changer le look et la sensation » de votre présentation avec des thèmes. Félicitations, vous finissez déjà présentation PowerPoint, longtemps avant le début de la réunion. Espérons que cette information est utile. Merci pour regarder Faouzi Academy. Aimez s'il vous plaît, abonnez-vous, partagez cette vidéo et visitez notre site web, faouziacademy.com.